La publicité est une forme de communication dont le but est de fixer l'attention d'un consommateur, utilisateur ou électeur pour vendre un produit, un projet, une idée ou une action. Pour y arriver, la publicité essaie à convaincre, à persuader, voire même à manipuler. Il est difficile de déterminer la naissance de la publicité. Des archéologues ont retrouvé des fresques datant de l'Antiquité qui annonçaient les combats de gladiateurs. Au Moyen Âge, la publicité orale, faite par les crieurs, est apparue. Ils vendaient les produits d'un marchand. Au XIXe siècle, lors de la révolution industrielle, le progrès technique a permis à la publicité de communiquer à travers les médias. Le 16 juin 1836, Émile de Girardin fait insérer pour la première fois dans son journal La Presse des annonces commerciales, ce qui lui permet d'en abaisser le prix et optimiser la rentabilité. Cette formule est immédiatement copiée. La publicité média est née. Avec la radio en 1920, ensuite la télévision en 1968, la publicité exploite le répertoire de la chanson et met au point l'association entre un slogan et un visuel. Le XXe siècle ouvre l'ère de campagnes publicitaires coûteuses et la publicité a pris beaucoup d'importance. Aujourd'hui, la publicité est partout, à la télé, à la radio, sur Internet, sur les murs des édifices. On ne peut pas y échapper. Du matin au soir, de la maison au travail, dans la rue, sur les murs ou dans les transports, dans les voitures du métro, les affiches colorées attirent notre attention. On distingue deux grandes catégories de supports publicitaires, les médias et le hors-média. Le terme publicité média désigne généralement les actions de communication publicitaire entreprises sur les six médias publicitaires: affichage, télévision, presse, cinéma, radio, Internet. La publicité hors média désigne les actions publicitaires n'utilisant pas les grands médias publicitaires. Voici quelques formes de publicité hors média. PLV, qui signifie publicité sur le lieu de vente. Guérilla marketing, c'est un concept de stratégie de publicité destiné aux petites entreprises afin de promouvoir leurs produits ou services de façon non conventionnelle en dépensant peu d'argent. Des grandes entreprises ont repris les techniques, mais avec des budgets beaucoup plus importants. Événementiel. Ce type de marketing consiste à monter des événements, plus ou moins inhabituels ou exceptionnels, pour promouvoir une marque, un produit ou une organisation. ISA, qui veut dire imprimé sans adresse. L'ISA est le prospectus, par exemple. La publicité a des avantages et des inconvénients. D'un côté, la publicité propose des informations intéressantes et utiles aux gens. Elle leur permet de découvrir des produits nouveaux qu'ils ne connaissent pas. Souvent, la publicité est très originale et peut rivaliser avec les œuvres d'art. La publicité incite les gens à respecter le code de la route ou à protéger l'environnement. C'est-à-dire, l'une des fonctions de la publicité peut être de promouvoir les valeurs humaines positives et soutenir des causes humanitaires et sociales. La publicité peut aussi servir à informer les gens d'événements intéressants, culturels et sportifs. Mais d'un autre côté, il y a des points négatifs. Le fait est que la publicité peut être mensongère. Elle trompe le consommateur et le fait acheter des produits qui ne conviennent pas à ses attentes. La publicité peut manipuler la conscience du consommateur. La publicité utilise des faiblesses des gens. Elle profite d'eux pour réaliser des profits, en particulier chez les enfants. La publicité peut devenir trop envahissante. Elle détruit le paysage urbain, les panneaux publicitaires, les affiches collées sur les murs, les enseignes des magasins, etc. Et aussi à la radio, à la télé ou sur Internet, la publicité interrompt les émissions et empêche de regarder les sites.
Nous avons parlé de publicité, mais il ne faut pas oublier la grammaire. Parlons des pronoms en et i. Le pronom en peut exprimer une quantité indéterminée. Par exemple, vous achetez du jus? Oui, j'en achète. En remplace les compléments dans les constructions avec de. Par exemple, vous êtes content du travail? Oui, j'en suis content. Le pronom i remplace des compléments de lieu et des noms de choses précédés de la préposition à. Par exemple, vous allez à Paris? Oui, j'y vais. Vous participez à cette publicité? Oui, j'y participe.